Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon matin à vous, ou bonsoir à vous, dépendamment de la région et de la zone où vous vous trouvez actuellement. Merci à mes chers abonnés, à tous vos commentaires, tous vos feedbacks, vraiment c'est motivant, c'est motivant. Et ceux qui sont nouveaux sur la page, alors n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos. Alors je viens avec une très belle nouvelle ce matin pour vous. Nous avons réussi avec moi et mes frères avec qui je travaille à trouver un partenariat avec l'université de Ventspils en Lettonie. Et voilà, donc tous ceux qui souhaitent étudier en Lettonie, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la finance, accounting en finance, informatique, computer science, information de technologie en physique, nous pouvons vous trouver une admission facilement à l'université de Ventspils avec laquelle nous avons trouvé un partenariat. Alors l'université de Ventspils est située dans la ville de Ventspils en Lettonie. Et l'université de Ventspils, la scolarité s'élève à 2100 euros. 2100 euros. Lorsque vous serez admis, vous devez payer 2100 euros plus un dépôt de 500 euros. C'est une loi du ministère des Affaires étrangères de Lettonie où vous êtes tout étudiant, voilà, étranger, et obligé de payer un 500 euros de dépôt aux frais, à ses frais de scolarité. Par exemple, comme j'ai dit, l'université de Ventspils, c'est 2100 euros. C'est ça, c'est voilà le prix, le coût de la scolarité. Mais lorsque vous demandez le visa, vous allez payer à l'école 2100 euros, par exemple, plus 500 euros. Donc, en parallèle, par exemple, à l'université de l'EPAJA, c'est 2500 euros. Si vous allez étudier à l'université de l'EPAJA, au moment de demander le visa, c'est 2500 euros plus 500 euros qui font 3000 euros que vous devez verser la totalité de cette somme à l'université pour avoir votre agreement, study agreement et votre invitation letter. Ça se passe comment? Ces 500 euros vous seront restitués à la fin de votre contrat d'études. Donc, si vous partez faire un bachelor, à la fin de vos 4 ans d'études, on vous restituera ces 500 euros. Si vous partez faire une étude de master de 2 ans, à la fin de ce master, on vous restituera vos 500 euros. Le problème, c'est les 500 euros, vous payez juste la première année. À partir des années de formation, des autres années suivantes, vous payerez juste, par exemple, si c'est 2500 euros, vous continuerez à payer juste 2500 euros. Ou si c'est 2100 euros, vous payez juste vos 2100 euros. Donc, comme j'ai dit, à tous ceux qui souhaitent étudier en Lettonie et qui cherchent une université vraiment abordable, vraiment moins chère, l'université de Ventspils est ouverte à tous. Les candidatures sont encore disponibles. La scolarité, comme j'ai dit, c'est 2100 euros. Et ils offrent des formations dans le domaine des finances, de la loi, de la comptabilité, du droit, de la physique, de l'informatique et des mathématiques. Alors, tous ceux et celles qui recherchent une école abordable en Lettonie, qui était à la recherche, ne savait pas comment faire. Je vous invite à aller sur le site de l'université de Ventspils à Lettonie, prendre les informations. Et pour ceux qui aimeraient de façon sûre, ou bien qui aimeraient passer par nous pour avoir une admission en Lettonie, spécialement l'université de Ventspils, n'oubliez pas de vous mentionner en commentaire. Nous vous contacterons, ou à défaut, laissez votre contact et nous vous contacterons. Alors, au thème de cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout n'oubliez pas, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner. Comme j'ai dit, je vous prépare une nouvelle vidéo, toujours aujourd'hui, pour vous partager le témoignage d'un frère camerounais qui était bien arrivé en Russie. Il est de la Russie au mois de janvier 2023, qui fera sa procédure pour la Lettonie. Et ce matin, comme j'ai dit, il m'a envoyé un message pour me remercier où je lui ai demandé de faire une vidéo. Pouvoir partager avec vous pour ceux qui sont dubitatifs pour devenir étudiant en Russie. Je pense que son témoignage, son point de vue depuis son arrivée, peut-être pourra vous aider et dire voilà, vous êtes à la bonne maison, si on peut dire ça comme ça avec nous. Voilà, lorsque nous disons, on prend vos dossiers, on vous achemine à votre point de destination, c'est une valeur sûre. Et j'espère que ça motivera tout le monde, ceux qui sont sceptiques, dubitatifs ou qui réfléchissent encore. Alors, merci les amis d'avoir pris vous à peu près 4 à 5 minutes de votre temps. N'oubliez pas de liker, de partager. Et on se dit à toutes et à la prochaine. Bye bye.